Bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Le message que vous allez suivre tout à l'heure est vraiment conçu par Dieu pour vous. Parce que vous voyez, la vie est pleine de gens qui divorcent, des gens qui se déchirent, même dans la maison de Dieu, qui vont aux tribunaux. Nous allons voir non seulement les avantages d'être un homme seul, avant toute autre relation, d'être seul, avant de se marier, mais comprendre aussi qu'est-ce qui est à la base de nos divorces, de nos amitiés qui se déchirent. Mais avant d'aller plus loin, suivez ce message et je crois que vous allez aimer le Seigneur. Je vous dis d'avance, si vous êtes seul, non marié, vous allez être heureux d'être dans cet état. Si vous êtes marié, vous allez désirer y rester. Et si vous êtes divorcé, vous comprendrez pourquoi. Alors suivez le message et je crois que Dieu veut restaurer toutes choses dans la maison et la vie de ses enfants. Suivons. Thank you.
toi. Rien de toi. Tu es tout pour moi, Seigneur. Merci, Jésus. Père, nous te remercions pour la sagesse d'en haut que tu nous donnes. Daigne envahir notre ignorance par la connaissance et les révélations de ta parole. Nous en avons besoin, Seigneur, et qu'ils soient libérés par ta parole. Oui, que le royaume des cieux se manifeste sur la terre et que Christ soit manifeste et évident dans la vie de chacun de nous. À l'écoute de ta parole, pour être transformés parce qu'elle est une nourriture. Elle nous donne la vie. Merci éternel, parce que tu vas faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Pendant que nous sommes en train de prier, d'adorer, de t'écouter, tu visites chacun. Nous le recevons déjà par la foi, au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Acclamez le roi de la vie. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oh, acclamons pour l'oreille, une fois pour nous venir par la libération de la vie de Dieu. Acclamons fort parce que les canaux par lesquels le Seigneur fait du bien à son peuple, qu'il soit gardé, béni, protégé, avec une onction spéciale sur chacun et chacune, et bien sûr tout le groupe à fort de foi. Parce que ça peut contribuer à faire la loi du Seigneur. Nous aimons nous en faire. Amen. Bien, frères et sœurs, encore une fois, bonjour. Dieu est bon et il faut passer du temps en sa présence. Vous savez, quand vous passez le temps dans la présence de Dieu, vous êtes toujours transformé dans la même image que la chose que vous adorez. Si vous adorez des bêtises, des idoles, vous serez transformé dans les mêmes bêtises et les mêmes idoles. Et quand vous adorez Dieu par l'Esprit, vous êtes transformé en la même image. Vous brillez sans le savoir. Moïse n'a pas compris quand il est sorti de la présence de Dieu qu'il fallait qu'il mette un voile parce qu'il troublait tout le monde qui le regardait. Vous de même. C'est pour cela que quand vous jeûnez et priez et vous passez beaucoup de temps dans la présence de Dieu, ce n'est pas que Dieu a changé, mais vous, vous avez changé. Du fait d'être entré en sa présence. Les démons qui vous résistaient hier, vous deviez transpirer autant d'heures pour les chasser. Il suffit seulement qu'ils vont commencer à dire, mais qu'est-ce qu'il y a entre toi et nous? Parce qu'ils voient déjà un feu et une flamme qui vient. Et il faut aimer la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Oui, oui, il faut aimer la présence de Dieu. On y passe par la louange, par l'adoration, par la prière. Et c'est là que Dieu vous confie même les secrets des choses qu'il va faire. Il faut cette intimité avec Dieu. Tu n'as peut-être pas beaucoup de choses à lui dire, mais tu dis seulement « je viens t'adorer ». Et tu vas te rendre compte qu'une gloire descend sur toi. Tu peux te retrouver en train de prier en langue, tu peux te retrouver en train de parler en langue, tu peux te retrouver en train de parler avec intelligence, tu peux te retrouver en... Oh, mais il se passe beaucoup de choses. C'est pour cela que j'aime la présence de Dieu. Et vous êtes déjà bénis pour avoir passé ce temps en sa présence. Pouvez-vous dire « Amen ». Le thème de ce mois, comme vous l'avez constaté pour ceux qui ont jeté un coup d'œil à leur calendrier, est tiré d'Ecclésiaste chapitre 9, verset 4. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. J'ai insisté et j'insiste encore du fait que nous devons comprendre le concept de vie et de mort selon Dieu. Il y a des gens qui respirent, qui vivent, qui mangent avec nous, qui voyagent avec nous dans des véhicules, qui travaillent avec nous sur le lieu de travail, et même dans cette assemblée maintenant, qui vivent selon la chair, mais qui, selon Dieu, sont des morts. Et le Seigneur pouvait dire à ceux qui trouvaient comme raison de ne pas le suivre en disant « je vais encore enterrer ma tante », il dit non, laissez les morts enterrer leur mort. C'est pour dire que si tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ, du fait que tu as reconnu que tu as mené une vie errante, ça et là, comme Ésaïe 53 nous le dit, nous étions tous errants,
comme des brebis perdues. Mais avec Jésus qui a porté nos châtiments, qui a été fouetté, flagellé, nous l'avons considéré comme humilié. Et pourtant, c'est de nos douleurs, de nos fardeaux qu'il s'est chargé. Eh bien, notre vie n'est plus une vie d'errance dans le péché, mais notre vie est devenue une vie qui a un but, qui a un destin et qui marche selon un chemin conduit par Jésus, lui-même le chemin, la vérité et la vie. Alors je voudrais que quand nous parlons de pour tous ceux qui vivent il y a de l'espérance, que tu puisses d'abord considérer qu'il ne s'agit pas de vivre dans la chair. Parce que tu peux te retrouver sous le châtiment parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais quand tu as reçu le pardon de Dieu, tu as reçu la bénédiction de l'œuvre de Jésus à la croix du calvaire. Fouetté, châtié, non pas pour lui, mais pour vous. Et que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et bien voilà de quelle vie nous sommes en train de parler. Il est question de passer de la mort à la vie parce qu'on a reçu Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés. Si ce n'est le nom de Jésus, il n'y en a pas deux. Tu n'as pas encore reçu cela, sache que tu es mort. Et pour jouir de tout ce dont nous allons parler ici, retrouve-toi transféré dans le royaume du Fils de l'amour de Dieu parce que tu l'as reçu consciemment et tu as décidé de marcher dans une nouveauté de vie et tu as contracté une alliance avec Jésus. Et alors nous pourrons dire, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. C'est pour cela que nous sommes là, pour partager cette parole. Vous savez, la fois dernière, nous avons vu que la vie que nous menons sur terre est une vie composée des accords, des alliances, des contrats, des pactes. Il y a une excellente alliance, c'est celle qui est contractée en Dieu et dont Jésus-Christ est le médiateur d'une alliance excellente. Et c'est justement quand tu entres dans cette alliance excellente que tu commences réellement à vivre. Vivre, pas le fait de respirer ou de survivre parce qu'on mange, on boit et on dort, mais vivre parce qu'il y a une raison d'être pour laquelle on est dans ce monde et on marche en poursuivant et en accomplissant jour après jour cette raison d'être. J'insiste, bien-aimé, en vous disant qu'il y a une chose qui est passée à l'Esprit de Dieu et qui a poussé Dieu à vous créer. Vous n'existez pas pour rien ou pour faire plaisir à quelqu'un d'autre ou même pour accompagner d'autres. Vous existez d'abord parce qu'il y a une raison pour vous-même. C'est pour cela que en parlant déjà des principes pour un mariage réussi, cette série que nous avons déjà commencée, nous avons vu la fois dernière les avantages d'être seul. Et comme je le disais, ceux qui sont encore seuls, je ne parle pas de non-mariés, je ne parle pas de célibat, je parle du fait d'être seul. Eh bien, ceux qui sont seuls, selon Dieu, et nous allons encore insister là-dessus aujourd'hui, sont déjà propres à des alliances, à unir des relations, à contracter des amitiés. Et l'amitié la plus profonde et la plus grande qui est le mariage ne peut être tenue que par des gens qui réellement sont seuls. Et comme j'ai eu beaucoup de questions sur qu'est-ce que c'est être seul, comment devenir seul, c'est quoi être seul, je ne parle pas de la solitude, je ne parle pas de cela, je parle des personnes qui vivent, qui sont eux, et qui maintenant, à cause de cela, connaissant qui ils sont, ils savent même dire, c'est avec celui-là qu'ensemble, nous pouvons affecter notre environnement. Et ils font des alliances, ils font des amitiés, ou ils décident de se marier. Est-ce que tu peux dire amen? Cela étant, je voudrais qu'aujourd'hui, nous puissions continuer à voir les bases
la puissance, la force, le pouvoir d'être seul. C'est pour cela que l'état le meilleur d'un individu sur la terre, c'est l'état d'un homme ou d'une femme seule. Je sais pourquoi vous ne dites pas encore amen. C'est parce que vous n'avez pas encore compris. Et je savais. Je dis ceci. L'état d'une personne le plus excellent dans ce monde, c'est d'être seul. Pas d'être solitaire, mais d'être seul. Parce que le monde n'a pas comme fondement la famille, comme souvent on l'entend dire. Le monde n'a pas comme fondement le couple. Le monde a comme fondement l'individu. Dieu a créé un seul individu. Il n'est plus rentré jamais à la terre pour créer d'autres individus. Et aujourd'hui, nous sommes vivants plus de 7 milliards d'habitants de la terre. Et la chose la plus importante dans un édifice, c'est la fondation. Donc j'affirme que l'individu est le fondement de toute société. Ce que vous faites de l'individu conditionne ce que devient la famille, ce que devient l'église, ce que devient la nation. Quelqu'un m'entend pour dire amen. Et nous allons bien le comprendre parce que pour l'avoir mal compris, les gens ont causé beaucoup de problèmes. Vous savez, la fois dernière, c'est pour que nous ne puissions pas avancer dans des erreurs. Parce que dès que les prémices sont mauvaises, toute la suite de la logique et les conclusions sont mauvaises. Et nous sommes partis d'un texte de Matthieu 19. Ça sera le texte de base le plus important que nous allons exploiter pendant ce temps. Je voudrais que nous puissions le lire. Matthieu chapitre 19. La Bible dit quelque chose de très capital. Allez avec moi dans le livre de Matthieu. C'est dans le Nouveau Testament, Matthieu 19. J'aimerais qu'on commence par le verset 3. Quand vous lisez Matthieu 19, verset 3, vous allez vous rendre compte que vous avez affaire à des grands érudits de la loi qui viennent pour poser une question au Seigneur Jésus dans le but de le piéger. Vous savez comment c'est ridicule? C'est que les pharisiens sont les docteurs de la loi, les docteurs de la parole. Ils sont en présence de la parole dont ils sont docteurs, une parole faite chair, mais ils veulent piéger la parole en prétendant être docteurs de la parole. C'est là qu'ils se sont retrouvés dans une confusion terrible. Et Jésus pouvait dire à Nicodème, toi aussi docteur, tu ne comprends pas ce que net de nouveau tu dis, oh à mon âge ici dois-je encore entrer. Tu vois, quand tu as affaire à la parole, ne fais pas le malin même si tu l'as étudié. Parce que toi tu as étudié la parole, mais lui il est la parole. Alors ils sont venus avec leurs degrees, leurs diplômes, leurs connaissances de la loi, avec... Vous savez, pendant ce temps-là, c'était avec des grandes barbes. Et puis, ils marchent et les gens disent non. Ça, c'est la parole est fandiwana. Mais quand tu es devant la parole, oh, à moins que tu aies une révélation. Écoutez Matthieu 19, à partir du verset 3. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Ils viennent avec quelle question? Question de répudiation. En d'autres termes, question de divorce.
Il répondit, n'avez-vous pas lu, parce que vous, vous êtes des pharisiens, vous êtes des docteurs de la loi, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, dis avec moi au commencement, fit l'homme et la femme. Mais vous savez, quand le Seigneur commence comme ça, ces gens se disent, waouh, il est inattrapable. Au lieu de nous répondre de la répudiation, au lieu de nous répondre sur le divorce, lui nous ramène au commencement. Parce que le problème n'est pas dans le divorce. Le problème est dans le commencement. Qu'est-ce que Dieu a fait au commencement? Dieu n'a pas fait au commencement le mariage. Au commencement, Dieu a fait mâle et femelle. Voilà le problème. Vous parlez du mariage, mais moi je vous parle des ingrédients pour faire le mariage. C'est là qu'il faut aller. Dieu ne connaît rien. Je ne sais pas de quoi vous me parlez. Moi, je ne vous parle pas du divorce. Je ne connais pas le divorce. Dieu n'a pas créé le divorce. Allez au commencement. Il créa mâle et femelle. Mais vous parlez de quoi? Au divorce, mais pourquoi Moïse a-t-il écrit? A-t-il dit donner une lettre? Mais ça, c'est l'invention de Moïse. Ça, c'est l'invention humaine. Dieu n'a que faire de ce que les hommes ont eu pour adoucir leurs mœurs. Amen. Dieu n'a pas créé ça. Je voudrais que nous puissions faire un peu d'herméneutique, que nous puissions nous retrouver dans le contexte. Matthieu est écrit 4 siècles, plus de 400 ans après Malachie. Après la fin de l'ancienne alliance par les écrits du prophète Malachie, il y a eu un vide, un silence, la période du silence, où pratiquement Dieu ne parlait plus jusqu'à ce qu'une vierge est tombée enceinte, Jésus est venu et les évangiles ont commencé à être écrits. C'est encore l'Ancien Testament parce que le sang n'est pas encore versé. Jésus n'est pas encore monté à la croix. Donc ce que nous lisons dans Matthieu, Marc, Luc, Jean, quoique écrit dans le Nouveau Testament, c'est de l'Ancien Testament. Ils sont encore sous la loi. Jusqu'à ce qu'à la croix et que la Pentecôte vienne, que le sang soit versé pour qu'une nouvelle alliance commence. Mais qu'est-ce qui était prédominant pendant ce temps-là? Pendant ce temps où ceci se passe, où ces questions sont posées, le divorce était devenu comme les arachides dans le peuple de Dieu. L'épidémie la plus meurtrière et courante, comme le virus Ebola de leur temps, c'était les divorces. Au point que Dieu a prophétisé en utilisant Malachie. Lisons Malachie chapitre 2 pour que nous puissions nous situer dans le contexte où cette question est posée, afin que nous puissions comprendre pourquoi ces questions ont été posées et qu'avec la grâce de Dieu, nous puissions comprendre où est-ce que l'Esprit nous mène. Je sais que le Seigneur veut que nous puissions parler de ces choses parce qu'aujourd'hui, non seulement dans la société, il y a des sociétés comme les sociétés occidentales où maintenant on constate que sur 10 mariages qui se font, avant d'atteindre 10 ans de mariage, il y a déjà 5 qui se rompent, qui se brisent. Il y a même maintenant des avocats spécialisés pour aider les gens à bien divorcer. 5 mariages sur 10, c'est trop pour le divorce. Et ce n'est plus seulement dans la société, mais même dans la maison de Dieu. Il y a maintenant des gens qui ont du plaisir à divorcer et à soutenir cela, qu'ils peuvent le faire. C'est vrai qu'il y a des raisons qui peuvent suffire pour divorcer. Mais allons au commencement. C'est ce que Jésus a voulu leur dire. Il faut faire quoi? Il faut aller au commencement. Quelle est l'épidémie de ce temps-là? Malachie chapitre 2. Nous allons lire du verset 13
au 16e. Malachi, lisez comme vous voulez. Malachi 2, 13 à 16, la Bible dit ceci. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel. Vous couvrez de larmes. Dieu n'a pas besoin de voir de larmes sur son autel. Il a besoin d'avoir des sacrifices et des offrandes. Des pleurs. Vous couvrez de pleurs les autels. Vous couvrez de gémissements. En sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites pourquoi? Vous savez, bien aimé, la raison pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ton partenaire, ta compagne, et la femme de ton alliance. C'est important de comprendre le concept d'alliance. Je voudrais ici insister, bien-aimé. Quand vous venez pour le mariage, que vous ayez invité Dieu ou pas, il est témoin. Il n'a pas besoin de votre carte d'invitation pour venir. Surtout quand vous venez dans sa maison. Il dit maintenant, je regarde sur mes autels, au lieu de sentir une bonne odeur agréable, les offrandes qui sont censées être sur l'autel. C'est vrai qu'il y a des offrandes, c'est vrai qu'il y a des sacrifices, mais je ne les agrée pas. Pourquoi? Parce que, à côté de cela, mon autel est couvert de larmes, de gémissements. Alors, je ne prends plus plaisir à vos offrandes. C'est alors que si vous lisez Matthieu 19, que nous avions commencé à lire, la Bible dit, dès qu'il a fini de parler, vous allez voir au verset 10, après qu'il ait échangé de Matthieu 19, les disciples, ce ne sont plus les pharisiens, les disciples ont compris ce qu'ils ne comprenaient pas. Ils ont eu un réma sur l'importance du mariage. Ils ont dit, alors il n'est pas avantageux. Si telle est la condition entre l'homme et la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Et alors je crois que c'est Pierre qui doit avoir dit ça parce que lui était déjà marié. Jean et les autres qui étaient trop jeunes, ils ont dit, waouh, heureusement qu'on... Vous savez, pourquoi? Parce que quand vous êtes mariés, j'aimerais dire ceci, l'exaucement de vos prières dépend de la réalisation de vos vœux. C'est ce que Malachi est en train de nous dire. Vous êtes en alliance avec une femme, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Jusqu'à ce que... Et puis à un moment donné, vous trouvez une raison quelconque. Qu'est-ce qu'on peut répudier pour une raison quelconque? Quelle raison? Pendant ce temps, une femme qui fait un foufou non réussi, c'est un motif de divorce pour le chasser. Pendant ce temps, avec les mapoudis comme ça, on vous met sur la tête, on dit, allez, ta maman ne t'a pas bien enseigné. Pars! On te chasse. Pendant ce temps, bien-aimé, un homme pouvait trouver n'importe quel motif. Il est avec ses amis, tu viens là sans autorisation, tu restes longtemps pendant qu'il cause. On dit, mais ça c'est quelle femme, ça, quelle éducation tu as eu? Eh bien attends, dès que les amis partent, on règle ton compte. C'était suffisant pour te chasser. C'est ainsi que pendant ce moment-là, un homme ne peut pas être assis là, et puis la femme vient s'asseoir et dit, on est en train de causer. Non, on mange et puis on se voit sur la gorge. Ça ne pouvait pas se faire. Il est là, il est potentat. En chambre, n'en parlons pas. Mes frères et sœurs, on pouvait divorcer pour un motif quelconque. Ça, c'est le temps de Malachi. Alors Malachi, Dieu vient et parle. Qu'est-ce qu'il dit? Vous avez couvert mon autel de larmes. Vous apportez les offrandes, c'est vrai, mais je ne prends pas égard à ses offrandes. Pourquoi? Vous êtes devenu infidèle à la femme de votre jeunesse. Pourtant, elle est votre alliée, elle est votre partenaire.
Mais voilà ce que vous faites. Trop de violence conjugale. Vous savez, je crois qu'il n'y avait que les païens qui tapaient leurs femmes. Oh mon Dieu, c'est ça. Il y a des chrétiens méchants. Au talibolobi, monté mama b. La sœur vient, elle est couverte. Vous croyez qu'elle est couverte parce qu'elle veut être, elle est devenue musulmane? Non. Elle veut seulement changer la figure parce que l'homme était trop violent. C'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux dans la présence de Dieu. Alors je disais que les disciples ayant compris les conditions, les critères de l'excellence du mariage, ils ont dit à Dieu, c'est avantageux de rester tel qu'on est. C'est avantageux de rester seul. Et Paul le dit, je vous encourage d'aller lire 1 Corinthiens 7. Paul dit, j'aurais bien voulu que vous soyez tous comme moi, c'est-à-dire sans être mariés. Parce que dès que vous vous mariez, les surcharges, les disciples, l'une des raisons, je veux vous dire, pour laquelle ils ont dit qu'il n'est pas avantageux, parce que quand vous êtes seul, vous n'avez pas certaines barrières aux prières que les mariés ont. Donc les gens qui priaient et que Dieu exaucait rapidement, maintenant avec les larmes sur l'autel, Dieu dit, je ne considère plus vos offrandes. Allez lire 1 Pierre chapitre 3 verset 7. Il vous dit, mari, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises à vos maris. Qu'il en soit ainsi pour que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Ça, les obstacles comme ça, les célibataires ne les ont pas. Obstacle du fait que vos rapports avec votre partenaire sont mauvais. Le fait qu'ils sont seuls, il est avantageux parce que leurs prières vont tout droit. Alors les disciples ont dit, reste seul, toi qui... Alors, cela étant... Mais acclamez le roi des rois, c'est la vérité. C'est la vérité. Alors, le Seigneur dit, je hais. Continuons nous, là où nous sommes. Nous sommes dans Malachie. Parce que l'Éternel est témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Donc, l'exaucement de ta prière est condition de la manière dont tu agis selon les alliances et les vœux que tu as faits. Alors, si tu fais trop de vœux et trop d'alliances, sache comment tu te comportes, parce que Dieu va en tenir compte dans l'exaucement des prières. Un des avantages. Verset 15. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait parce qu'il cherchait la postérité que Dieu avait promise. Prenez donc garde à votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Car je hais. Dis avec moi, Dieu est amour. Mais un amour qui hait les choses. Comprenez cela? Un amour qui... Dieu n'a pas l'amour, Dieu est amour. Mais cet amour a de la haine contre certaines choses. Entre autres choses, je hais le divorce. Je hais la répudiation. Dit l'Éternel, Dieu des armées. Et je hais celui qui couvre de violence son vêtement. Dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Alors ici, mes frères et sœurs, le Seigneur montre. La question lui est posée dans Matthieu 19, dans ce contexte-là. Et alors maintenant, les pharisiens, les docteurs de la loi viennent le piéger. Il vivait dans une atmosphère où divorce, c'était déjà monnaie courante. Alors ils disent, on va voir comment il va répondre. Est-il permis à un homme de divorcer pour un motif quelconque? Alors Jésus ne tombe pas dans ce piège, Jésus va au commencement. Au commencement, Dieu, ce dont vous parlez, je ne le sais pas.
Mais voilà ce que Dieu a fait au commencement. Il a fait mâle et femelle, l'homme et la femme. Mais qu'est-ce qu'il veut dire là? Votre mariage ne sera de la qualité que de la qualité de vous qui composez le mariage. Votre mariage n'aura pas de qualité autre que la qualité de votre individualité. Ce sont ces individualités, mâles et femelles, mises ensemble, qui font la qualité du mariage. Et alors Dieu dit quoi? Dieu les bénit. C'était mâle et femelle. Et je crois que si vous amenez à Dieu mâle et mâle, ils vont avoir le contraire de la bénédiction. Si vous amenez à Dieu femelle et femelle, au commencement, ce n'était pas comme ça. Ils vont avoir l'opposé de la bénédiction. Alors, faites attention. Malgré les lois qui peuvent se voter et les églises qui peuvent accepter d'unir les homosexuels, les lesbiennes, Dieu ne les bénit pas parce qu'au commencement, il les créa mâle et femelle. Quelqu'un m'entend pour dire amen. Il faut aller au commencement. Au fait, mes frères et sœurs, le mariage, c'est un peu comme une omelette. Disons ensemble omelette. Vous savez, il y a quelqu'un qui ne savait pas comment commander quand on va dans les restaurants. Alors il voit, on a des cartes de commande et tout ça. Il cherche quoi commander. Il dit, bon, je commande l'omelette, omelette. Alors on lui apporte l'omelette. Il parlait en swahili. Il dit, omelette kumbini diai. L'œil, non, les yeux. Non. Yo, il y a un billet, tu sais ce qu'il y a. Les yeux, voilà. Alors, bien-aimé, la qualité de votre union dépend de la qualité des individus qui composent l'union. Dites amen, je vais illustrer ça. Prenez deux mauvais œufs. Faites l'omelette. Vous voulez que l'omelette soit bonne? Bonne, parce que c'est au féminin. On accorde en genre et en nombre, n'est-ce pas? Alors, quand les œufs, ou les yeux, appelez comme vous voulez, quand les œufs sont mauvais, vous les mettez ensemble, vous fabriquez l'union qu'on appelle l'omelette. L'omelette sera mauvaise. Quand un des œufs est bon, un autre mauvais, vous les mettez ensemble, l'omelette sera bonne, l'omelette sera mauvaise. Parce que ce qui est pourri affecte ce qui est bon. Jamais un fruit bon n'affecte le fruit pourri. C'est toujours le fruit pourri, parce qu'il a déjà des bivignons, il a déjà des saletés à l'intérieur. Il va affecter celui qui est bon et tous seront pourris. Donc Dieu veut leur dire ceci. Vous parlez du divorce, vous parlez du mariage, mais le mariage a des composants. C'est de ces composants qu'ils font parler ce que Dieu a créé au commencement. Donc, si vous voulez avoir à parler de divorce, Moïse a dit, ça c'est Moïse. Mais au commencement, Dieu n'a pas fait ça. Dieu n'a pas créé le mariage. Dieu a créé les individus et il a béni leur mariage au commencement. Alors, nous avons ici, mes frères et sœurs, si vous avez maintenant des bons œufs, mâles et femelles, les bons œufs, c'est lesquels? Les bons œufs, c'est les œufs qui sont dans l'état du commencement. Nous avons, je l'ai dit la fois passée, deux hommes là. Les hommes dans le jardin d'Éden, qui signifie la présence de Dieu, qui communient avec Dieu. Les hommes complets, les hommes uniques, les hommes seuls. Ce sont ces hommes-là que Dieu a bénis, que Dieu a joints. Ils sont complets. Maintenant, quand le péché est venu, Dieu les a chassés. Ils sont maintenant en brousse, ils ne sont plus dans la présence de Dieu, ils ne sont plus dans le jardin des délices.
Ce qui est un concept. C'est pourquoi je voudrais vous dire, bien-aimé, quand un frère ou une sœur ou un homme, ma sœur, vient vous demander la main, ne donnez pas votre cœur, n'acceptez pas le mariage juste parce qu'il vous a dit qu'il vous aime ou parce que vous croyez que vous l'aimez. Le mariage réussi n'est pas fait du mariage où on parle de l'amour. Ceux qui divorcent là, c'est des gens qui un jour se sont dit « je t'aime ». Mais comme le « je t'aime » ne suffit pas, aujourd'hui ils disent « non, nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre ». Nous parlerons de divorce, Dieu voulant, plus tard, et de mariage. Mais nous pensons que pour avoir de bons mariages, pour avoir des églises bien fortes et bien bénies, nous devons avoir des hommes seuls, bien. Alléluia. Ainsi, pour une bonne omelette, ayez d'abord, soyez rassurés que les ingrédients, les œufs que vous brisez, que vous mettez ensemble pour former cette omelette, sont des bons œufs. Et alors, vous n'aurez pas besoin de parler de divorce. Parce que au commencement, vous avez commencé avec ce que Dieu a fait, qui est dans sa présence. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire amen? Donc, vous savez, il y a des jeunes gens qui pensent que moi, je suis croyant ou je suis croyante. Cet homme-là qui veut me marier, je vais tout faire, je vais le tirer. Il est en brousse, il est dans Genèse 3. Vous voulez tirer, je vais t'amener dans Genèse 1. Je vais t'amener, viens. Il résiste, non, viens. Même si tu lui dis, viens voir mon pasteur avant qu'on puisse parler mariage, ça ne va rien changer. S'il n'a pas changé pour t'avoir, il ne va pas changer pour te garder. Je répète, si cet homme ou cette femme n'a pas changé avant de t'avoir, il ne va pas changer après t'avoir eu, il ne va pas changer pour te garder, parce que c'est un mauvais œuf. Il n'est pas au commencement. Et toi, tu es au commencement. L'union que vous allez faire, ce mariage-là, est mauvais. Il finira par la séparation. Mais à cause de quoi? À cause du fait que les ingrédients du commencement sont mauvais. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire amen? C'est ainsi, mes frères et sœurs. Tant qu'un homme ne peut pas se tenir comme l'avons été dans la présence de Dieu, lever les mains et adorer le Seigneur, être en Éden, recevoir l'instruction de Dieu, eh bien, cet homme n'est pas qualifié pour prendre quelqu'un qui est en Éden. L'une des causes des problèmes que nous avons. Posez-vous la question, est-ce que je suis seul? Est-ce que je suis au commencement? Donc, quand quelqu'un te dit, je veux t'épouser, première question, est-ce que tu es un homme seul? Je ne parle pas de célibataire, il y a des célibataires avec 3, 4, 5 enfants. Donc, ils sont seulement des non-mariés. Ils ne sont pas seuls. Qu'est-ce que c'est qu'être seul? Être seul, ce concept-là, veut dire être séparé. Un. Deux. Être unique en son genre. Et trois. Être plein. Entier. Quand vous êtes entier, séparé, identifiable, spécial, original. Eh bien, vous êtes seul, c'est alors que vous êtes qualifié pour vous marier. L'âge ne vous qualifie pas pour être marié. Ne dis pas parce que j'ai 30 ans, j'ai 40 ans. Et on commence à me dire, mais jusqu'à cet âge, tu attends quoi? J'attends que je sois seul. Alléluia. On parlera des eunuques et autres plus tard. Mais ici, parlons de seul. Bien-aimés, donc, être seul, c'est cela. Tu deviens seul au moment où tu sais qui tu es, pourquoi tu existes, de quoi tu es capable, à quoi tu es appelé. Et alors, tu peux trouver quelqu'un d'autre pour que le mariage soit réussi au commencement. Vous savez, quand Dieu a décidé de donner Ève à Adam, Adam n'avait pas demandé Ève. Lisez la Bible. Adam n'est pas allé dire à Dieu, pourquoi je suis seulement seul et puis que je ne suis pas avec les chimpanzés et les kangourous et tout cela, mais fais-moi une femme. Non, il était seul, unique,
original, entier, un homme seul, une femme seule, c'est un homme ou une femme qui n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour devenir quelqu'un. Je reprends ça. Tu seras seul quand tu arriveras à un état où tu n'as pas besoin de la vie des autres pour que tu sentes que tu as de la valeur. Parce que toi-même, en toi, tu es une valeur. Tu sais qui tu es, tu sais qu'est-ce que tu peux faire, tu sais d'où tu viens. Et il n'y a personne. Il y a des gens qui se marient pour dire, je me sens maintenant seul. Quand je dors, je suis seul. Vraiment, si je ne me marie pas, je ne serai pas quelqu'un. Tu n'es pas encore qualifié pour le mariage. Amenez-moi mon nom là. Je veux faire cette illustration pour que nous comprenions c'est quoi être seul. Et beaucoup de mariages ont des problèmes parce que les gens qui les composent ne sont pas seuls. Ce n'est que quand Adam n'avait besoin de personne. Il dormait, il se réveillait, il parlait avec Dieu. Il était en Éden. Il était complet, original, jouant son rôle. Mais la différence, c'est que Dieu a constaté qu'il est seul. Il est unique. Il est singulier. Il n'a personne dans la création avec qui se échanger, qui soit de la même nature que lui. Quand tu es seul, tu sais qu'est-ce que tu as apporté à la société. Quand tu es seul, tu sais que même seul, tu n'as pas besoin de rien d'autre. Mais dès que tu sens que je dois me marier pour que j'aie un peu de la valeur, j'aie un peu de... Vous savez, la société nous a appris à nous dire, comment va ta moitié? Et les gens sont contents, ma moitié va bien. La moitié, c'est qui? Ils appellent la femme la moitié. Je vais vous montrer ce que la moitié fait. Ma fille vient m'aider là. La moitié, c'est comme cette illustration. Tiens les deux verres, viens ici. Regarde là, voilà. Il créa mâle et femelle. Ce que je vous présente ici, ce sont les hommes et les femmes d'après Genèse 3. Maintenant, celui-ci sent qu'il y a un vide. Je dois m'unir à quelqu'un pour que je sois un peu comblé, pour que je me sente aussi comme un homme ou comme une femme. J'ai vécu sans mes parents, j'ai manqué l'affection des mères. Je veux épouser une femme qui soit ma mère. Hein? Et quand tu verras qu'elle n'est pas ta mère, tu seras frustré. Oh, je veux épouser un homme qui sera comme mon père parce que moi, vraiment, j'ai souffert. Quand tu auras un homme qui ne sera pas comme ton père, tu seras déçu. Alors, il va te donner. Dès qu'il sent que toi, tu es plein, lui commence à lui dire, non, retourne-moi ce que je t'ai donné. Retourne-moi. Et il te retourne. Et dès que tu... Non, retourne-moi. Après, il va dire, donne-moi ce que je t'ai donné. Allez, va-t'en. Et vous partez. Acclame le roi des rois. C'est ça le divorce. Mais quand vous allez vous marier, sans attendre de recevoir quoi que ce soit à celui avec qui vous êtes unis, parce que vous êtes seul, vous êtes plein, vous êtes unique, vous êtes complet, vous avez de quoi donner et non pas de quoi recevoir, alors Dieu dira, il n'est pas bon qu'il soit seul. Là, tu es qualifié pour te marier. Sois toi, mais si tu n'es pas toi, tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sais pas pourquoi dans ce monde tu es, tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu a placé comme capacité en toi. Tu crois que c'est en recevant des autres que tu seras quelqu'un, et c'est les autres qui feront de toi quelqu'un, eh bien, tu n'es pas encore prêt pour le mariage. Si tu te maries, tu auras besoin de divorcer. Alléluia. Pour que Dieu voie que l'homme ne soit pas seul, lisez Genèse 2:16. Dieu le comble. Il a donné les instructions. Il dit, tu vas cultiver la terre, tu vas la garder, et tu vas la... Eh bien, tu vas le... Alors après, il dit, Dieu, il ne faut pas que l'homme soit seul. Qu'est-ce que ça veut dire? Ma sœur, si un homme veut te marier, demande-lui, où est-ce que tu te localises?
Genèse 1 ou Genèse 3. Il va dire non, Genèse 1, s'il a suivi ce message. Mais ce n'est pas suffisant. Pose-lui la question. As-tu déjà reçu les instructions de Dieu? Est-ce que tu sais qui tu es? Tu sais qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? Non, quand on sera ensemble, on va faire nos projets, hein, parce que, voilà, on va aller à Bruxelles. Non, ça, c'est, il n'est pas question de... Ça, c'est des promesses de la chair. La vie, c'est un dessein. Tu peux être mieux béni au Congo, en brousse, dans un village, accomplissant ton dessein, et ne pas être béni en étant à Kuala Lumpur ou à New York, parce que ce n'est pas là ton lieu d'attache par Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire « Alléluia » ? Mais quand tu es complet, tu as déjà reçu les instructions de Dieu, ton appel, ta vocation, tu la connais, qu'est-ce qu'il veut que tu domines, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, ma fille, tu es parti. Alors, on fait ceci, Dieu, vous êtes là au commencement. Voilà, j'ai déjà rempli, attention maintenant. Tu me prends pour me donner maintenant. Au commencement, tu gardes comme c'est déjà plein. Montre-les maintenant. Tu prêches avec moi. Au commencement, c'est des hommes seuls, pleins, séparés. Si tu essaies de verser de celui-ci là, ça fait quoi? Ça déborde. Donc, c'est des gens qui se mettent ensemble. Pas parce qu'ils doivent recevoir, tirer quelque chose l'un de l'autre. Mais c'est pour qu'ensemble, en se déversant, ils débordent et affectent leur environnement et qu'ils glorifient leur... Est-ce que les hommes seuls peuvent ici glorifier le roi des rois? Tiens-toi debout et acclame le Seigneur. Tu peux retourner ça là-bas. Acclame et pousse des cris de joie. Acclame et pousse des cris de joie. Je suis un homme comblé. Je suis un homme comblé. Alléluia. Dis à 2, 3, 4 personnes, je n'ai pas besoin d'être toi pour être moi. Je n'ai pas besoin d'être toi pour être moi. Je n'ai pas besoin d'être attaché à toi pour être moi. Dis-le. Je n'ai pas besoin d'être attaché à toi pour être moi. Je n'ai pas... Mais j'ai besoin de toi pour qu'ensemble nous puissions impacter notre génération. Pour qu'ensemble nous puissions affecter la société, pour qu'ensemble nous puissions glorifier le roi des rois. Est-ce que quelqu'un peut sauter et dire Alléluia ! Je suis un homme seul ! Je suis une femme seule ! Je suis unique en mon genre ! Je suis comblé ! Je suis plein de Dieu ! Je sais qui je suis ! Je sais où je vais. Je sais pourquoi j'existe. Si je dois me marier, c'est pour avoir un partenaire avec qui nous allons impacter la société. Il n'y aura pas de raison de divorce parce que nous avons commencé au commencement. Au nom de Jésus. Est-ce que tu ne peux pas acclamer très fort le Seigneur? Il est Dieu. Il est Dieu. Alléluia. Merci Jésus. C'est pour dire, n'est prêt pour le mariage que celui qui a déjà découvert et qui vit son destin. Autrement, vous allez toujours poser la question, est-ce qu'il est permis de répudier pour... Comment tu commences à parler de répudiation? C'est parce que vous traitez l'omelette, mais vous ne traitez pas les œufs qu'il a fallu mettre ensemble pour faire l'omelette. Jésus les a renvoyés au commencement. Il vous demande le mariage. Quelle est ta localisation? Et est-ce que Dieu t'a déjà parlé? Tu sais pourquoi tu vis? Une fois cela prêt, pour l'un et pour l'autre, Dieu peut joindre. Ainsi,
Les mariages peuvent se faire même dans l'église, mais ce n'est pas Dieu qui adjoint. Si vous dites amen, je vais ajouter. Même les mariages bénis ici, j'ai vu des dignitaires payer tous les frais. Pasteur, mes enfants viendront d'Europe, je veux que vous puissiez les bénir dans votre église. Nous viendrons. Qu'est-ce qu'il faut pour que l'église soit agréable? Ok. On amène des païens tout entiers, rassasiés des démons, vivant dans le péché. Mais parce que le papa a influencé, eh bien, on a organisé le mariage. Dieu n'a pas joint. C'est des œufs pourris. Leur omelette sera pourrie. Et ils peuvent divorcer. Non, le Seigneur dit, je vais vous donner quand même un standard. Même si il y a violence, ce n'est pas une raison de divorcer. Même si les bébés ne viennent pas, ce n'est pas une raison de divorcer. Même si il n'y a plus satisfaction intime, ce n'est pas une raison de divorcer. Même si tu n'as plus la ration à chaque fin du mois, ce n'est pas une raison de divorcer. La seule raison, c'est quoi? L'adultère. Pourquoi? Parce que quand Dieu est témoin, au ciel, on coche marié. Ah, ça, il faut que j'en parle prochainement. Je ne parle pas de mariage maintenant. Mais je parle des ingrédients qu'il faut pour un mariage réussi. Nous allons continuer, bien-aimés, parce que nous allons comprendre pourquoi Dieu dit « Ayez la femme de ton alliance ». C'est pourquoi que Dieu crée les femmes, elles sont scellées à la naissance. Et c'est pourquoi la Bible insiste sur la virginité. Maman, parler aux enfants, aux filles de la vie. Il paraît qu'aujourd'hui, ça devient honteux de dire à la fille, sois vierge. Tu risques de manquer le sang de ton alliance. Bon, tenons-nous debout, acclamons le Seigneur. La communion du Saint-Esprit, sa communication soit avec chacun. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous. Il vous accorde sa grâce, il vous accorde sa paix. Soyez vous unis, complets, séparés. Partout où vous irez, et que toute alliance et toute union que vous ferez soit une union d'impact, une union de plus et non de moins, et non de déficit, au nom de Jésus-Christ. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance, et j'espère que beaucoup de choses vont se restaurer au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse, bon dimanche. Je crois que nous sommes bien heureux et désormais, je pense que nul ne dira qu'il a sa moitié parce que si vous allez en moitié, vous n'êtes pas encore prêt pour vous unir, ni en amitié, ni en union de mariage. Mais soyez un homme plein, un homme seul, un homme unique en son genre, un homme qui sait de quoi il est capable et qu'est-ce qu'il peut partager avec la société. Et c'est alors que vous serez prêt pour vous unir. En mariage, vous unir, même en relation d'amitié et même d'affaires, d'association avec qui que ce soit. Parce que là, vous ne voulez pas devenir quelqu'un parce que quelqu'un va vous faire quelqu'un. Mais vous êtes unis à des gens parce que vous êtes déjà vous-même quelqu'un. Je crois que Dieu va faire et transformer des gens. Et notre mentalité va changer parce que nous ne vivrons pas selon Genèse 3 de la chute. Mais nous allons être retournés dans la présence de Dieu qui fait toutes choses. Aimons le Seigneur, prêchons Jésus-Christ et gagnons des âmes parce que les temps sont durs et nous avons besoin des individus bien formés pour des églises bien bâties. Que l'honneur revienne à Jésus-Christ. Je vous invite à Logos Rema. Nous avons tous les jours ici à Kinshasa 3 cultes chaque dimanche. Premier culte à 7h30 en Lingala, un deuxième culte à 9h30, nous commençons avec la communion, la Sainte Cène. Et midi 30, 13h, nous terminons et à 17h, nous venons pour servir Dieu en anglais. C'est pour cela que j'insiste, 17h chaque dimanche, ne manquez pas. Mettez ce jour à côté pour le Seigneur. Come, let us together serve the Lord using English as a language.
church, you will see that the Lord is always there and he wants to see his people worshiping, praying, and defying all the enemy with the anointing of the Holy Spirit. Come, let us pray the Lord. See you. Est-ce que tu veux le louer? Amen. Si tu veux le louer, sache, il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche, les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime, ton âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème, avant que tu récolteras demain. Pas besoin de diplôme, pas besoin de latin, juste aimer son nom et son esprit saint. Et l'on devient fou, fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec.